Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. اليوم لدينا نموذج اختبار التلميذ السنة الرابعة ابتدائي الفصل الثاني. نساعدهم بإذن الله في التحضير جيدا للاختبار. فلنبدأ على بركة الله. نبدأ بقراءة النص. Pour la fête des mères, Amine prépare une jolie carte de vœux. Il offre à sa maman un bouquet de fleurs. Amine chante à sa maman « Pour toi, ces fleurs de belles couleurs, rouge, bleu, orange, jaune. » Maman sourit, elle est contente. عيد. Pour la fête des mères, بمناسبة عيد الأم, Amine prépare une jolie carte de vœux. Amine يحضر بطاقة تهنئة جميلة. Il offre à sa maman un bouquet de fleurs. قدم لأمه باقة أزهار. Amine chante à sa maman. Amine يغني لأمه. Pour toi, لكي, ces fleurs de belles couleurs, هذه الأزهار بألوان جميلة, rouge, حمراء, bleu, زرقاء, orange, برتقالية, jaune, صفراء. Maman sourit, الأم ابتسمت, elle est contente, هي سعيدة. نمر إلى الأسئلة. Question. De quoi parle le texte? عن ماذا يتحدث النص؟ Donc, le texte parle de la fête des mères. Donc, on dit le texte parle de la fête des mères. Que prépare Amine à sa maman? ماذا يحضر أمين لأمه؟ Amine prépare une jolie carte de vœux. نكتب الإجابة. Donc, Amine prépare à sa maman une jolie carte de vœux. Réponds par vrai ou faux. Ajib bisahih ou khata. Amine prépare à sa maman des fleurs. Donc, nous avons dit que Amine prépare à sa maman une jolie carte de vœux. On dit que c'est faux. Il prépare une carte d'invitation. هو يحضر بطاقة دعوة. C'est faux. خطأ. Amine chante une belle chanson à sa mère. Amine يغني لأمه أغنية جميلة. Donc, c'est vrai. السؤال الرابع. Mais au masculin. اكتب في صيغة المذكر. Elle est contente. هنا. Elle est contente. جملة في صيغة المؤنث. Donc il, qu'est-ce qu'on va dire? Il est, donc le verbe être, l'être, contente, يصبحو, très bien, نحذف le E du féminin, ونقول, il est content, هو سعيد. ثمانية الموالي, cherche dans le texte le synonyme de, إذا ابحث في النص عن مرادف الكلمة heureuse. Donc, في النص ماذا لدينا؟ Maman sourit, elle est contente. Donc, contente, c'est le synonyme du mot heureuse. Heureuse, c'est un adjectif. Contente, كذلك, c'est un adjectif. هما صفة. Complète la phrase suivante. أكمل الجملة التالية. Il prépare une carte de vœux. هنا. Il au singulier, le groupe nominal sujet c'est il. Huna, Deina, il au pluriel. Donc, ici on a il prépare, le verbe c'est prépare. C'est le verbe préparer du premier groupe, conjugué au présent. Ma'a il, qu'on bi an à la terminaison c'est e. Ma'a il au pluriel l'en, qu'est-ce qu'on va dire? Très bien, prépare, ENT. Il prépare, une carte de vœux. Au pluriel, qu'est-ce qu'on va dire? Il prépare, très bien, une, يصبحو, des cartes. Et bien, nous y faut le S, une carte, des cartes. De vœux, la yataraya.
Donc, il prépare une carte de vœux. Il prépare 10 cartes de vœux. Et la production écrite, rédige un petit texte de 3 à 4 phrases dans lequel tu parleras de l'Aïd al-Fitr. اكتب نص قصير من 3 إلى 4 جمل تحدث فيه عن عيد الفطر. Elle doit de la boîte à outils. استعين ب la boîte à outils. Donc, on est لدينا. أفعال, les verbes, acheter, nettoyer, décorer, préparer, manger, rendre visite. ثم, les noms, l'Aïd, la maison, les vêtements, la fête, les gâteaux, la famille. Les adjectifs, heureux, beau, neuf, délicieux. Thumma, pour, à, au, après, avant. إذا نبدأ النص بالعنوان نتحدث عن عيد الفطر. Donc نكتب العيد الفطر. ثم نبدأ ب une majuscule كالعادة. كل جملة تبدأ ب une majuscule وتنتهي ب un point. يجب أن يكون الخط واضح, الجمل مفيدة لها معنى. Donc, c'est la fête de l'Aïd al-Fitr. إنها حفلة عيد الفطر. Papa nous achète des habits neufs. أبي اشترى لنا ملابس جديدة. Maman prépare des gâteaux délicieux. أمي تحضر حلويات لذيذة. Nous sommes très heureux. Donc, كتبنا ثلاث جمل. بدأنا بالعنوان لكي نوضح عن ماذا سنتحدث في النص. تحدثنا عن ماذا فعل الأب, ماذا فعلت الأم, وما هو شعورنا في هذا اليوم. وأنتم لديكم حرية التعبير وحرية اختيار الكلمات. أعيد قراءة النص. L'Aïd al-Fitr, c'est la fête de l'Aïd al-Fitr. Papa nous achète des habits neufs. Maman prépare des gâteaux délicieux. Nous sommes très heureux. Donc, بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وأن الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إن كان الأمر كذلك. إن كان لديكم أي تساؤلات لا تترددوا في كتابتها في التعليقات. رمضان كريم للجميع. شكرا على متابعتكم والسلام عليكم.